Le Sénat travaille énormément en ce moment sur les collectivités locales et il manque aujourd'hui et sur l'information sur les finances locales et l'impact surtout des normes d'État sur l'équilibre des finances locales. Il y a deux aspects pour cette mission, il y a les aspects réglementaires et les aspects budgétaires. Donc les aspects réglementaires concernent en particulier les normes et puis il y a les décisions budgétaires. Ces décisions pèsent sur les dépenses, alors les dépenses qui sont malheureusement à la hausse, on le voit avec la crise énergétique, et les recettes à la baisse. Nous allons auditionner énormément d'acteurs publics, locaux. Mais nous avons commencé surtout par la Commission nationale de l'évaluation des normes, qui regarde combien ça coûte chaque année les normes d'État pour les collectivités locales. Quand vous aménagez une crèche, il faut à la fois que la poignée de porte soit un peu basse pour que quelqu'un en fauteuil roulant puisse l'ouvrir, et un peu haute, parce que les enfants ne doivent pas l'ouvrir. On veut tout simplement mettre en lumière et avoir, au travers de nos exemples et de nos auditions, avoir des exemples très concrets, donc très parlants. C'est le moment parce que le ministre de l'économie aussi a dit qu'il allait regarder et réviser toutes les dépenses publiques. Et donc on veut avoir un avis éclairé et montrer que peut-être ceux qui dépensent le plus ne sont pas toujours ceux que l'on croit.